Chapitre 2. Les consoleuses. Quand Hélène et Milena entrèrent dans le village des consoleuses, une bruine glacée les enveloppait, comme une poussière liquide. Les paillettes scintillaient à la moindre lumière, réverbère ou fenêtre. Les maisons de briques, serrées les unes contre les autres tout au long de la rue, semblaient des miniatures. On accédait à la plupart en descendant quelques marches, et il fallait presque se courber pour franchir les portes. Milena s'arrêta devant la toute première. « Je t'attends ici. » Et pense à moi si ta consoleuse a cuisiné quelque chose de bon. J'ai faim. J'y penserai, ne t'en fais pas. J'espère pour toi que c'est chauffé dans la bibliothèque. Afin de vérifier, elle suivit son amie dans la bibliothèque exiguë et basse de plafond. Une flamme vacillait derrière la vitre du poêle à bois. Il faisait doux. Il n'oublie jamais, dit Milena. Sur la table équipée d'une unique chaise, une lampe allumée sous un abat-jour accueillait le visiteur. À mi-hauteur de la cloison couraient deux étagères chargées d'une centaine de livres usés. Milena, en ôtant son manteau, les passait déjà en revue pour en choisir un. « J'y vais !» lui lança Hélène. « À tout à l'heure ! Bonne lecture !» Elle-même était venue ici une dizaine de fois pour accompagner Milena ou d'autres filles. Elle adorait cet endroit hors du monde, personne ne vous dérangeait jamais, où l'on pouvait lire et rêver paisiblement. Elle le comparait à un nid ou bien à un berceau, enfin quelque part où il fait chaud et où personne ne vous voulait de mal. Seul passait de temps en temps un homme tranquille, le mari d'une consoleuse sans doute, qui venait ajouter une bûche dans le foyer du poêle. Il demandait gentiment « Alors, mademoiselle, en pleine lecture ?» On lui répondait « Eh oui !» Et il s'en allait. Une fois seulement, elle avait dû partager ce moment avec un autre accompagnateur, un jeune garçon qui, après avoir lu quelques minutes, avait fini par se recroqueviller dans un coin de la pièce, tête sur les genoux, et s'était endormi. Toutes les filles adoraient être choisies comme accompagnatrices pour pouvoir passer 2 heures dans cette bibliothèque. Certaines auraient bien sûr préféré rendre visite à leur consoleuse, mais l'article 22 était clair. Il est interdit de rendre visite à sa consoleuse quand on est l'accompagnatrice. Et la sanction de rigueur n'encourageait pas à désobéir. Privation de toute sortie pour le reste de l'année. Hélène marcha tout droit, obliqua sur sa gauche à la fontaine et s'engagea dans une rue en pente. En arrivant devant le numéro 47, elle s'aperçut qu'elle souriait. Elle savait le plaisir qu'elle allait donner et celui qu'elle allait recevoir. Elle descendit les 3 marches de l'escalier et, plutôt que sur la porte, tapa 2 coups légers à la fenêtre. Les vitres étaient couvertes de buée. Bientôt, une petite main frotta le carreau et un visage radieux se dessina derrière. La bouche s'ouvrit très grand et Hélène lut sur les lèvres de l'enfant les 2 syllabes de son prénom « Hélène !» Quelques secondes plus tard, Octavo se jetait dans ses bras. Elle le souleva et l'embrassa sur ses joues rebondies. « Qu'est-ce que tu es lourd !»« Je pèse 26 kilos, » dit l'enfant, très fier de son poids. « Ta maman est ici ?»« Dans la cuisine. Moi, je fais mes devoirs. Tu m'aideras comme l'autre fois ?»« J'aime bien comme tu m'aides. » Ils entrèrent. La pièce était à peine plus grande que la bibliothèque, mais sur la droite, un escalier montait à l'étage où se trouvait la chambre et une porte s'ouvrait à l'arrière, sur la cuisine. C'est dans cet entrebâillement qu'apparut la monumentale silhouette de Paula. À l'une de ses premières visites, Hélène s'était endormie après avoir beaucoup pleuré dans les bras de Paula. En se réveillant, elle avait bredouillé « Combien tu pèses, Paula ?» Elle n'avait que 14 ans alors, et le sans-gêne de sa question avait fait rire la grosse dame. « Je ne sais pas, ma petite fille, je n'en ai aucune idée, mais je pèse lourd. » Quand elle vous prenait contre elle, on ne savait plus ce qui était bras, épaules, seins ou ventre. Tout se confondait dans une douce chaleur et on avait envie d'y rester toujours. Paula ouvrit les bras à Hélène pour qu'elle vienne s'y blottir. « Alors, ma toute belle, ça faisait longtemps. » Paula la complimentait toujours ainsi. « Ma toute belle, ma jolie. » Et elle prenait son visage entre ses mains pour mieux la regarder. Hélène avait entendu dire des tas de choses sur son propre compte, qu'elle était têtue, passionnée, drôle ou garçon manqué, mais toute belle ou jolie,
Non. Paula le lui disait, elle, et elle la croyait. La dernière fois, c'était avant l'été, confirma Hélène. J'aurais voulu attendre décembre au moins, mais je n'ai pas pu. Allez, viens, entre. Je suis en train de cuisiner pour Octavo. Des pommes de terre au four. Et il y a un reste de tarte aux poires de midi. Ça te convient? Oh, et comment? Jubila Hélène. Tout ce qu'elle mangeait ici, loin du réfectoire haï, lui semblait somptueusement bon. Octavo s'impatientait déjà sur ses cahiers. Tu viens, j'y arrive pas tout seul. Comme Paula retournait à sa cuisine, Hélène rejoignit l'enfant et s'assit à ses côtés. Alors, qu'est-ce que tu apprends de beau? Le masculin et le féminin. D'accord, allons-y. L'exemple de la maîtresse, c'est un boulanger, une boulangère. Il faut en trouver trois. Et tu en as trouvé trois, mais je ne suis pas sûre pour le troisième. Je t'écoute. Un chat, une chatte. Très bien. Un magicien, une magicienne. Parfait. Et le troisième? Je suis pas sûre. Allez, dis quand même. Un pied, une main. Hélène eut du mal à ne pas éclater de rire, et en même temps, une vague de mélancolie la submergea, violente et profonde. Est-ce qu'elle avait un petit frère à elle, quelque part? Un petit frère penché sur ses devoirs, lui aussi, qui tirait la langue sur le passé simple ou sur une multiplication à deux chiffres? Non, elle n'avait ni frère, ni sœur, nulle part, ni parents. Elle repensa à cet orphelinat où elle avait passé toute son enfance et à ce jour d'automne où elle l'avait quittée. Comment oublier? Trois hommes sombres la poussent à l'arrière d'une lourde voiture. Ils verrouillent les portières et roulent en silence. Elle demande à celui qui est à côté d'elle. « Pourquoi verrouillez-vous les portières? Vous croyez que j'ai l'intention de sauter en route? Où est-ce que j'irai? » Il ne répond pas, il ne tourne même pas la tête. Elle sent, tout au long du voyage, l'odeur forte du cuir de sa veste et celle du tabac que fument les deux autres devant. Après des heures de route à travers la campagne, ils longent le fleuve jusqu'à cette petite ville inconnue, jusqu'à ce bâtiment gris, l'internat. Une centaine d'autres filles attendent là, par groupe de cinq ou six, un manteau sur le bras et un petit livre à la main. Toutes sont étonnamment silencieuses. On lui fait suivre des couloirs vétustes et on la pousse dans la salle d'attente du bureau de la directrice où elle reste seule pendant quelques minutes. Puis, la porte s'ouvre et une jeune fille sort, un manteau sur le bras et un livre à la main. Elle est de petite taille, porte des lunettes à verre épais et elle a l'air plus désemparée encore que les autres. C'est Katharina Pansek. Hélène la prendra plus tard. Elle bredouille seulement... c'est à toi, avant de disparaître. Hélène pousse avec prudence la porte, restée entr'ouverte. Votre nom? C'est la première fois qu'Hélène entend la voix de la directrice. Dorman, je m'appelle Hélène Dorman. Votre âge? 14 ans. Approchez. Hélène s'avance jusqu'au bureau où est assise une femme massive, aux cheveux courts et gris. Elle porte une veste d'homme, ses épaules sont larges et puissantes. On l'appelle la tank. Hélène la prendra bientôt. La tank fouille dans ses paperasses, trouve le dossier d'Hélène et le parcourt. Ensuite, elle ouvre un tiroir et en tire un livret. Tenez. Il est très abîmé. Sa couverture a été 10 fois raccommodée. C'est le règlement. Ne vous en séparez jamais. Il compte 81 articles. Apprenez-en 10 par jour. Si vous avez à revenir ici, ce que je ne vous souhaite pas, vous devez les savoir par cœur. Passez à côté, prenez un manteau à votre taille et sortez. S'il y a quelqu'un sur le banc, dites-lui que c'est son tour. Hélène entre dans la salle voisine où pendent des dizaines et des dizaines de manteaux, comme dans la galerie des costumes d'un théâtre. Sauf qu'ici, tous les costumes sont les mêmes. De lourds manteaux de laine à capuche. Hélène marche dans ce véritable labyrinthe. « Si un jour j'ai à me cacher, se dit-elle, je saurai où venir. » Elle choisit un manteau gris, moins usé que les autres, l'enfile et se trouve bien dedans.
Elle le quitte, le pose sur son bras et repasse dans le bureau de la directrice qui l'ignore. Dans la salle d'attente, une longue fille pâle attend, assise sur le banc. Elle saigne légèrement du nez dans son mouchoir rougi. Elle s'appelle Doris Lemstedt et quittera l'internat très malade 6 mois plus tard. « C'est ton tour », lui dit Hélène, et elle sort dans la cour où un timide rayon de soleil éclaire les filles immobiles, les manteaux et les livrées. « Je remplace par un lapin une lapine, c'est mieux ?» Hélène revint à elle et sourit à Octavo. « Oui, c'est mieux. Moins drôle, mais mieux. » De la cuisine lui parvint le délicieux fumé des pommes de terre au four et la voix de Paula. « Et ton amie Milena, elle va bien? Tu l'admires toujours ?»« Oui, elle va bien, » répondit Hélène en riant, « et je l'admire toujours. Elle m'attend à la bibliothèque. Je pourrais lui apporter une assiette ?»« Bien sûr, et un peu de tarte s'il en reste. » Paula cuisinait toujours, pour elle, pour Octavo, pour les gens de passage. Il était impossible d'entrer chez elle sans manger quelque chose, ni d'en repartir sans emporter quelque chose à manger. Une portion de pudding au raisin, un morceau de gâteau au chocolat, une simple pomme. Elle avait un enfant, Octavo, mais pas de mari. À la question d'Hélène sur ce sujet, elle avait répondu qu'elle n'en avait pas besoin, qu'ici, sur la colline, c'était le royaume des consoleuses. Il n'y avait pas de place pour les hommes, sauf pour ceux qui savent rester discrets. « Comme celui qui alimente le poêle », avait pensé Hélène. Sans doute faisait-il partie de ces hommes ombres qui avaient le droit de vivre ici sur la colline. Les autres s'y sentaient mal à l'aise. Ils habitaient en ville et se montraient rarement. La plupart des consoleuses avaient un embonpoint considérable et l'entretenaient. Comment serrer quelqu'un contre soi? Comment consoler si on n'a que les os qui pointent? Certaines camarades d'Hélène soutenaient le contraire. Leur consoleuse était menue et fragile, mais elle ne l'aurait échangée contre aucune autre. Katharina Pansek, par exemple, répétait toujours que sa consoleuse était une petite souris trottinante et qu'elle l'adorait ainsi. Pour rien au monde, elle n'aurait voulu disparaître, noyée dans une masse de chair comme Paula. Hélène n'avait pas choisi Paula. La surveillante, qui l'avait conduite la toute première fois sur la colline, 3 ans plus tôt, s'était arrêtée sans lui demander son avis devant le numéro 47 de la rue et avait énoncé sèchement « Elle s'appelle Paula. Je reviens vous chercher dans 2 heures. » Hélène avait descendu les 3 marches et frappé à la porte. Paula avait ouvert et presque éclaté de rire en la découvrant. « Regardez-moi ce petit chat perdu. Entre, tu veux manger quelque chose? Tu as soif? Un bol de chocolat, hein? Ah oui, un bol de chocolat, ça va te réchauffer. » Depuis ce jour, Hélène n'était venue que 6 fois chez Paula, c'est-à-dire autant de fois que l'autorisait le règlement. Une 15aine d'heures en tout, pas davantage. Pourtant, il lui semblait connaître Paula depuis toujours. La grosse dame avait pris dans son cœur une place immense. Octavo rangea son cartable et on mit la table pour le repas. Les pommes de terre au four étaient si douces et si parfumées qu'Hélène s'en trouva presque mal en avalant les premières bouchées. « Que c'est bon, Dieu, que c'est bon !» Elle eut une pensée fugace pour ses camarades assises derrière leurs assiettes de potage insipide. Mais elles auraient leur tour, après tout. Autant les oublier pour un instant et profiter sans scrupule du bonheur offert. On parla surtout d'Octavo et de son école. Des blagues qu'il y faisait. La maîtresse ne devait pas s'ennuyer avec un numéro comme lui. À 20 heures, il monta dans sa chambre et redescendit en pyjama pour embrasser Hélène et sa mère. « J'aime bien quand tu viens chez nous, » dit-il à Hélène, « mais pas le soir, parce que maman ne veut pas me câliner. »« J'irai te voir après, » promit Paula. « Monte et dors. Hélène n'a plus qu'une demi-heure. Je te l'ai déjà expliqué. Ce serait très grave pour elle de rentrer en retard. » « C'est vrai qu'on mettrait une autre fille à sa place dans un trou tout noir ?» demanda Octavo.